Bonjour et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Et aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir Stefano et Domenico. Et aujourd'hui, nous jouons face à deux jeunes femmes, Isabelle et Marilyn. Et on accueille tout de suite, alors s'il n'est pas trop occupé, hein, Thierry Beccaro. Pardon. J'ai entendu, excusez-moi, pardon. J'attends, moi, vous savez, je suis derrière. À quoi voulez-vous que je sois occupé à part à préparer l'émission, à vous accueillir, et c'est un plaisir. Vous souhaitez une belle fin de matinée sur France 2 et avoir le plaisir de retrouver Domenico et Stefano. Alors là, ça me fait plaisir. L'autre jour, on avait une candidate franco-italienne, Sylvia, si je ne m'abuse, qui me disait qu'il y avait deux vrais Italiens qui étaient venus pour faire des repérages dans l'émission et tout. Bah oui, mais je dis, c'est Stefano et Domenico. Oui, c'est ça. Quel plaisir de vous retrouver, Domenico. C'est un plaisir pour nous. Vous êtes venu il y a combien de temps? C'était en 2012 pour l'émission régulière et après en 2013 pour les tournois de Noël. Quelle merveille, oui. de vous retrouver. D'abord de vous demander d'où vous venez. Je me souviens à peu près d'où vous venez, mais vous allez le dire à toutes celles qui et à ceux qui vous regardent. Nous habitons au Val d'Aoste, qui est une région italienne où le français est une langue officielle à côté de l'italien. Et là, on peut regarder France 2 et on a découvert l'univers de Motus. Voilà, et depuis, ils sont restés fidèles à Motus, Domenico et Stefano. Alors Stefano, vous êtes dans la même région, vous aussi? Oui, la même région. Je fais toujours le même travail, je suis comédien. Et voilà, j'espère. Et ça va, ça marche bien? Ça marche bien. En ce moment, j'ai produit une web sitcom. Et ça marche très bien. On a un milieu de visualisation sur Facebook qui s'appelle Call Center. C'est une argot par l'anglais call center. C'est une drôle de web sitcom qui parle de qui travaille dans les centres d'appel. Voilà. D'accord. C'est pas mal. Et vous, Domenico, quel est votre métier? Je suis ingénieur chimiste. Très bien. Voilà le bel accent des Italiens qui ont en plus cette qualité incroyable, c'est de parler un français impeccable. Merci. Ça fait rêver. Vous jouerez contre Marilyn et Isabelle, les deux jeunes femmes dont parlait Myriam il y a quelques instants. De Normande. Vous êtes normande? Oui. Vous venez d'où, Marilyn? D'Hérouville-Saint-Clair, à côté de Caen. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marilyn? Je suis secrétaire. Et vous, Isabelle? Je suis de Vire, une petite ville du Calvados, et je travaille dans un laboratoire de prothèses dentaires. Alors, je vais vous poser la question, celle qui peut faire mal et qui est en même temps très émouvante. Vous avez déjà joué avec nous, Marilyn? Oui. Il y a combien de temps? 25 ans. Ah, hey. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous reveniez 25 ans après? Ben voilà. Vous avez hésité, c'est ça? Oui. Vous avez un bon souvenir de ce premier passage? Oui, surtout qu'on m'a décelé, suite à cette émission, une maladie du cœur. Ah. Donc j'ai été opérée en urgence. Ah bon, oui, j'ai cru que c'était à cause de nous. Donc juste après... Véridique, c'est... oui. Et donc là, vous êtes en pleine forme? Là, je suis en pleine forme. Ah, c'est génial, je suis ravie de vous retrouver. Vraiment, et c'est sincère. Et on est toujours là en plus. Oh, oui. Ça tombe bien, parce que si vous aviez voulu revenir et qu'on n'était pas là, ouais, c'était embêtant. Embêtant. Bon. Allez, on commence par les grilles. Alors, en revanche, là, vous allez découvrir le numéro magique. Oui. Ça, à l'époque, on cherchait des mots de 5 lettres, quand on a commencé, et il n'y avait pas de numéro magique. Et là, ça sera le 45 pour vous, mesdames. Et pour vous, Stefano et Domenico. Domenico. Ah, parce que j'ai notre ami Olivier, que vous connaissez bien, le numéro magique, c'est le numéro 10. Qui me reprend sur l'accent tonique. Domenico. 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 Oui. Et Stefano. Stefano, ça serait en italien. Mais en tout cas, ça va. Ça de toute va façon, bien. Ça va bien. Ça va. Hein, magnifique. Myriam, si. le montant de la cagnotte aujourd'hui. Si, maqué. 1000 euros, Thierry. Et les fleuristes Florajet vous offrent un bouquet de fleurs originales livré directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec florajet.com.
Merci beaucoup Myriam. Isabelle, vous avez choisi des mots de 8 lettres. Des mots de 8 lettres. Eh bien, c'est parti, bonne chance. Voici la lettre S. Souvenir, S-O-U-V-E-N-I-R. Soupière, S-O-U-P-I-E-R-E. -E. 25 ans après, la même. Magnifique. Marilyn, vous mélangez, s'il vous plaît. Le 37. Isabelle. Le 69. Ok. Pas pour le 69. Je vous ai vu hésiter. Il ne faut pas hésiter dans ces cas-là. Non. Voici la lettre, Isabelle, la lettre F. Foulard. F-O-U-L-A-R-D-S. Frileuse. F-R-I-L-E-U-S-E. Frangine. F-R-A-N-G-I-N-E. Fringale. F-R-I-N-G-A-L-E. Freinage. F-R-E-I-N-A-G-E. Isabelle. Allez, Isabelle. Oh. 100 à rien pour l'instant. Stefano, vous avez la main, bonne chance. Voici la lettre V. Vocatif, V-O-C-A-T-I-F-S. Vidanger, V-I-D-A-N-G-E-R. Valable, V-A-L-A-B-L-E-S. Verisme, V-E-R-I-S-M-E-S. Volupté, V-O-L-U-P-T-E-S. Vertical, V-E-R-T-I-C-A-L. Bravo Domenico, vous mélangez s'il vous plaît. Bon, 100 à 50 pour l'instant. Isabelle, c'est à vous. Voici la lettre C. Calorie. C-A-L-O-R-I-E-S. Cravate. C-R-A-V-A-T-E-S. Chaleur. C-H-A-L-E-U-R-S. Chaotique, C-H-A-O-T-I-Q-U-E. Pop, pop, pop. Ouais. C'est trop long et ça va permettre à Stefano de récupérer la lettre U. Cadrage, C-A-D-R-A-G-E-S. Curative, C-U-R-A-T-I-V-E. Chaouin, C-H-A-O-I-N-E. Chaouin. This is not Chaouin. Not this. Non, bah non, ça, je peux comprendre que vous n'ayez pas trouvé le mot. Isabelle, je vous souhaite de le trouver puisqu'on va vous aider avec la lettre R. Chaours. C-H-A-O-U-R-C-E. Alors, c'est une race hein, d'animal assez particulière. Et, non, non, ce n'est pas ça du tout. Stefano, écoutez bien la définition de Myriam. C'est un fromage, Thierry, mais qui vient du côté de la région Champagne. Voilà. À pâte molle, hein, je précise. À pâte molle.
Chaours à pâte molle. Voilà, c'est un fromage. Donc, oui, pour comprendre pour que délicieux, certes, n'ayez pas trouvé le mot. Marilyn, vous mélangez, s'il vous plaît. Isabelle. 35. Ouais, 35, ouais. 35, ça rapporte 5. 61. Ouais. Marilyn, nous cherchons un mot commençant par la lettre I. Infernal. I-N-F-E-R-N-A-L. Influent. I-N-F-L-U-E-N-T. Infliger. I-N-F-L-I-G-E-R. $250, Marilyn. Si vous prenez le 57, vous marquez 100 points. Même chose avec le 35. 35. Vous menez à présent 300 à 50. Donc, messieurs, ça n'est pas terminé. Nous changeons les grilles et nous continuons avec vous, Isabelle. Quand vous avez joué avec nous la première fois, Marilyn, il y a 25 ans. Ça s'était bien passé ? Pas très bien, non. Bon. Enfin, j'avais été en finale quand même. Bon, j'espère sincèrement qu'on n'est pas responsable de votre problème de cœur, de la contrariété qui avait été la vôtre. Non, non. Bon. Alors Stéphano, je disais donc que ce n'est pas terminé. Hein. Oui, on va essayer. J'espère que vous aurez la main rapidement. Stéphano et Domenico qui viennent du Val d'Aoste sont des Italiens qui peuvent jouer à Motus parce qu'ils jouent très très bien. Ils parlent le français beaucoup mieux que je ne parle l'italien. Mais ça, vous aviez compris. Isabelle, nous cherchons un mot commençant par la lettre P. Poularde. P-O-U-L-A-R-D-E. Princier. P-R-I-N-C-I-E-R. Protéger. P-R-O-T-E-G-E-R. Pontoise. P-O-N-T-O-I-S-E. Non. Prétoire. P-R-E-T-O-I-R-E. J'adore la façon dont vous jouez, Isabelle, parce qu'on dirait que vous dansez en même temps. Ah, c'est la nervosité, je crois, plutôt. J'arrête alors. C'est vrai. Vous avez remarqué ? Vous bougez comme ça. Et vous bougez mieux que moi. Isabelle, vous mélangez, s'il vous plaît. Le 39. Marilyn. Le 63. Marilyn, nous cherchons un mot de 8 lettres, commençant par un B. Blues, B-L-O-U-S-E-S. Une petite blues. Ou alors un gros blues. Un gros coup de blues. Bon, celle-là, je vais l'oublier. Pardonnez-moi, je ne la refais plus jamais. Parce que là, je viens de me prendre un tsunami. C'est même plus un vent, c'est un tsunami. Stéphano, la lettre bonus, c'est le A. Brigade, B-R-I-G-A-D-E-S. Benjamin, B-E-N-J-A-M-I-N. Bouffon, B-O-U-F-F-O-N-S. Balayage, B-A-L-A-Y-A-G-E. Et ben là, je dis bravo. Bravo, Domenico. 350 à 100 pour l'instant, Domenico. Aïe, 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 aïe. C'est la deuxième, non ? La deuxième, ouais. Isabelle. Non. Quoi, c'est moi, pardon, c'est moi Thierry qui parle. Je me suis dit.
Je me suis emballée. Non, mais c'était pour vous dire que c'était le dernier mot. Je me disais, mais d'où ça vient, ça? De là. C'était mais moi. Je me disais, pourquoi? Genre, ça y est, maintenant, elle co-anime avec moi. Non, non, Thierry, non, ça ne sera pas Isabelle. Non, voilà, c'était juste pour faire cette petite annonce bien triste. Elle s'est quand même bien installée dans l'émission, quand même. Hein. Au départ, toute timide et tout. Et puis là, maintenant, carrément, elle me coupe la parole. Je suis désolée. Bah, vous êtes témoin. Bon, on y va pour le dernier mot, Isabelle? Oui. Allez, c'est parti. Moutarde, M-O-U-T-A-R-D-E. Moucher, M-O-U-C-H-E-E-S. Murmurer, M-U-R-M-U-R-E-R. Vous pouvez vous taquiner, vous aviez suffisamment d'avance de toute façon. Et on va vous applaudir tous les quatre. Merci beaucoup. Isabelle et Marilyn, parce qu'on va se retrouver dans un instant pour la super partie. Et Stefano et Domenico. Alors là, vous n'avez pas été servi par le mélange. Hein. Ça, il faut reconnaître. Oui, ça n'a pas été simple. Mais quel plaisir de vous retrouver et de vous offrir ceci. AvantQuest vous offre des logiciels pour sublimer vos photos et créer votre maison en 3D, ainsi que 100 euros de logiciels à télécharger sur avantquest.com. Et ce n'est pas terminé, puisque SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Bon, je vois, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes resté fidèle à Motus. Vous continuez à nous regarder de temps en temps? Oui, oui, bien sûr. Toujours, tous les jours. C'est un vrai plaisir. Bon, et c'est vraiment la région, le Val d'Aoste, où vraiment l'italien et le français se conjuguent, si je puis dire. Oui, le français est une langue officielle. On grandit avec le français et on a la télévision française là-bas. C'est pour aider à apprendre la langue. Ça, c'était vraiment un gros enrichissement pour nous. J'avais eu le plaisir de jouer à Aoste. Ah oui? Justement, parce qu'on me disait qu'il y avait un public de Français qui venait. Il y a beaucoup de gens en Val d'Aoste qui regardent nous tous, et voilà. Bon, et ben nous, on espère vous retrouver très très bientôt sur le web. Comment s'appelle le petit problème? Ah oui, il s'appelle Kul Saint-Terre. C'est K-U-L, espace Saint-Terre, avec la S, pas la C. Et regardez là, parce que... Il y a aussi des épisodes sous-titrés en français. Ah bah c'est parfait. Et vous, Domenico, bah on va vous souhaiter plein de bonnes choses. Merci. Hein, et n'hésitez pas à revenir nous voir. À la prochaine. Alors. Vous connaissez l'endroit, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. La super partie, c'est dans un instant. Et aujourd'hui, il y a 1000 euros à gagner. Samedi soir, Patrick Sébastien vous offre le pass Sensation Forte. C'est captivant, c'est extraordinaire le travail. Et ils le font avec une facilité, c'est là où ça devient très très compliqué. C'est belle cette table, hein. Ça fait plaisir de vous avoir tous les deux. Hey. Champion de haute altitude et avalanche de surprises, dévale la piste du cabaret. On a cherché comment ils faisaient, mais surtout on voit pas. Et un magie, complètement, bravo. Ils font des trucs incroyables avec leurs doigts. Le plus grand cabaret du monde, c'est la Folie Douce. Samedi soir à 20h55 sur France 2. Qu'est-ce que vous faites ici, Catherine? Mais il est tard. Retrouvez votre divertissement avec MSC Croisière. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur motus.france2.fr. Pour nos prochaines sélections, vous pouvez nous retrouver le lundi 7 mars à Paris, le 10 à Arcachon, le 11 à Agen et enfin le samedi 12 à Toulouse. Alors n'hésitez pas à y composer à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou bien rendez-vous sur motus.france2.fr. Il y a 25 ans, je commençais la présentation de Motus. Et parmi les premiers et les premières candidates, il y avait Marilyn. Vous vous rendez compte? Marilyn, que nous retrouvons en compagnie d'Isabelle. Vous suivez régulièrement le jeu, j'imagine? Oui, hein? Oui. Ben, ça ne fait pas 25 ans. Non. Et, voilà. Et où étiez-vous il y a 25 ans? Je ne sais plus. Eh ben, merci beaucoup. C'est très loin. Elle était là. Oui. Bon, vous allez tenter de gagner 1000 euros. À condition, bien sûr, de trouver 10 mots de 8 lettres en 4 minutes et 30 secondes. Voilà, j'ai tout dit. Sauf bonne chance. Merci.
Boudiner, B-O-U-D-I-N-E-R. Baptisé, B-A-P-T-I-S-E-R. Badinage, B-A-D-I-N-A-G-E. Policier, P-O-L-I-C-I-E-R. Peluche, P-O-L-U-C-H-E-S. Pimbèche, P-I-M-B-E-C-H-E. Polochon, P-O-L-O-C-H-O-N. Souvenir, S-O-U-V-E-N-I-R. Scalpant, S-C-A-L-P-A-N-T. Surprise, S-U-R-P-R-I-S-E. Foulard, F-O-U-L-A-R-D-S. Figement, F-I-G-E-M-E-N-T. Foutaise, F-O-U-T-A-I-S-E. Forcené, F-O-R-C-E-N-E-S. Frontal, F-R-O-N-T-A-L-E. Football, F-O-O-T-B-A-L-L. Maxime. Voiture, V-O-I-T-U-R-E-S. Vacciner, V-A-2-C-I-N-E-R. Abrasive, A-B-R-A-S-I-V-E. Amplifié, A-M-P-L-I-F-I-E. Amnistie, A-M-N-I-S-T-I-E. Touchant, T-O-U-C-H-A-N-T. Timbal, T-I-M-B-A-L-E-S. Trilogie, T-R-I-L-O-G-I-E. Bravo. Calorie, C-A-L-O-R-I-E-S. Calendos, C-A-L-E-N-D-O-S. Cupidité, C-U-P-I-D-I-T-E. Cheminée, C-H-E-M-I-N-E-R. Cartable, C-A-R-T-A-B-L-E. Calvados, C-A-L-V-A-D-O-S. Roublard, R-O-U-B-L-A-R-D. Regimber, R-E-G-I-M-B-E-R. Réprimé. Bah, c'est dommage. Là, c'était presque un hommage à la région d'où vous venez. Mais oui. La Normandie, Calendos, Calvados. Oui. Ah, on finissait dans un bel état, tiens. C'est pour ça que vous n'avez pas voulu le trouver tout de suite. Franchement, là, tout le monde vous regardait, les gens chez eux se disaient... Oh, bah, oui, je le trouve.
Bon, eh ben 8 sur 10, c'est ça. Ça ne suffira pas, mais ça suffira largement pour revenir. Donc, nous allons garder nos 1000 euros et la prochaine fois, nous nous retrouvons avec 2000 euros dans la cagnotte. Voilà, eh ben, ça sera un plaisir. Je vous souhaite de passer une belle journée. Et c'est la même chose pour vous. Merci pour votre fidélité. À la prochaine fois. Vous pouvez continuer à jouer avec nous sur le site motus.france2.fr, mais également sur les applications mobiles et tablettes.